Bien, bah écoutez, merci de votre présence. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, cet équipement Ludibule, qui aujourd'hui donc a retrouvé sa jeunesse d'antan, eh bien cet équipement sera officiellement ouvert depuis le mois de mai, il est au public, mais sera officiellement ouvert donc ce matin en votre présence amicale et je vous en remercie encore. Pour l'instant, on va procéder donc à cette tradition de coupure du ruban. Merci, eh bien, je déclare officiellement l'équipement Ludibule, patinoire et piscine, ouverte et heureuse de vous accueillir pour une petite visite matinale. C'est pour moi et mes collègues un réel plaisir, d'inaugurer, de découvrir un équipement dédié. Un cadre de vie offert à nos concitoyens qui participent à l'épanouissement physique et sportif, ainsi qu'au bien-être de chacun. Donc ce moment symbolique vient en effet couronner les efforts déployés depuis plusieurs années. Donc après la réouverture de la patinoire fin 2013, les usagers ont retrouvé avec plaisir un espace complètement relooké après plusieurs mois de travaux. Alors, je vous fais part des principaux aménagements. Donc, réfection de la toiture avec une création de verrières et mise en place d'un éclairage donc, du plus bel effet et des enceintes pour la sono et l'aquagym. Le sol des bassins est recouvert d'une résine. Toutes les plages à l'extérieur ont été carrelées. Le bassin de 25 mètres est plus profond avec 1,10 m sur le tiers de sa longueur pour permettre une pratique plus sportive de la natation, donc une mise en place d'éclairage subaquatique de couleur afin de dynamiser le bassin, hein, c'est ce que vous pouvez admirer tout de suite. Un toboggan plus grand aussi, un toboggan de 57 mètres, un espace bien-être avec jacuzzi et hammam. Cet équipement ouvre aussi sur une terrasse qui donne sur l'extérieur, donc c'est un espace évidemment à développer ici. Donc création de vestiaires d'un espace pour les bébés nageurs, rampe de mise à l'eau pour accès handicapé, ainsi que les vélos et trampolines. Donc un équipement d'une qualité exceptionnelle, un tarif attractif, se faire du bien pour le corps et l'esprit, voilà trois bonnes raisons donc de venir, au moins trois bonnes raisons de venir à Ludibule. Donc dans le cadre du contrat de pays et grâce à l'action donc déterminante de ces acteurs, nous avons pu obtenir des soutiens financiers très importants. Vous l'imaginez, un dossier très lourd. La région de Normandie donc, nous apporte une aide de 550 000 euros. Le département également 550 000 euros. Pour donc, la piscine, le montant des travaux s'est élevé à 6 242 000 euros. À cela, on peut ajouter les 3 707 000 de la patinoire donc, en 2013. Vous voyez, donc pour un montant de 10 millions, il est clair que nous repartons avec un équipement neuf, quasiment neuf, et qui devra maintenant s'inscrire, bien sûr, dans le paysage bien plus général donc de notre nouvelle communauté de communes. Alors, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour mener à bien ce dossier très lourd. Désormais, donc, Vermarine est détenteur d'une responsabilité. Faire vivre Ludibule, le rendre attractif, convivial. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, chers comarins, chères comarines, voici donc votre piscine. Nagez, riez, flânez, courez, reposez-vous, détendez-vous, entraînez-vous, ressourcez-vous. Bienvenue dans votre complexe piscine-patinoire Ludibule. Merci de votre attention. Sing for the sky up above, sing
cry, you crush your heart and hope to die. Till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.